29 ans, je suis en première année de BTS, profession immobilière en alternance. J'ai commencé à travailler en août 2020 chez EDH. Donc j'ai commencé en tant qu'assistante d'accueil. Donc je faisais tout ce qui était accueil téléphonique, physique et le suivi des clients. C'est un poste très formateur pour le début parce qu'on touche un petit peu à tout. Ensuite, on m'a confié les enregistrements des demandes. Et par la suite, je suis arrivée en renfort pour les assistants de gestion. J'ai commencé à faire les signatures des contrats et toute la procédure d'entrée des clients. Par la suite, on m'a confié récemment, début avril, la mission du nouveau programme L'île aux Juivries à Saint-Paul-Trois-Châteaux avec une autre assistante de gestion, Sally. Donc on s'occupe de tout ce qui est le positionnement des personnes sur les logements, l'étude de leur dossier, les propositions, et ensuite on s'occupera de tout de leur entrée, donc tout ce qui est contrat, clap de porte, tout ça. Dans l'immobilier, le mot-clé c'est le relationnel, et chez DH on le retrouve encore plus pour le niveau social, interaction et le contact avec les personnes. J'aime aussi le suivi des clients, on ne loue pas juste des logements, on les suit du début jusqu'à la fin. Et au niveau de l'équipe, je suis quelqu'un de très timide et très en retrait. Ils ont su me mettre à l'aise, m'intégrer et me faire confiance, donc c'est ce que j'ai apprécié. Pour moi, mon alternance est réussie parce que j'aime ce que je fais et j'aime l'environnement dans lequel je travaille.